Shabbat shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde, dans le précieux nom de Yeshua, Hamashiach, son fils, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue donc à cet enseignement, cette introduction à la paracha 52, et nous allons voir aujourd'hui le chapitre 4 de Jérémie. J'aurai bientôt terminé le cycle de Jérémie, il me reste en fait le chapitre 5 et le chapitre 6, et nous aurons enseigné sur tous les chapitres de Jérémie. Et on s'en servira comme introduction au parashiot. C'est donc très important, car c'est là un enseignement de base que je vous encourage d'écouter et que je vous encourage aussi de promouvoir à droite et à gauche. C'est extrêmement important, car les temps qui viennent vont devenir mauvais. Je dirais même très mauvais. Il y aura la peste, il y aura l'épée, il y aura la famine. Toutes ces choses-là sont des fléaux que l'Éternel répand. Et en fin de compte, c'est toujours le fruit de nos pensées. Et donc il va répandre, car dans sa bonté, il ne veut pas perdre les hommes et les femmes. Mais ce qu'il veut, c'est effectivement les appeler à la repentance, afin qu'ils puissent venir à Yeshua, venir à lui, au travers de Yeshua à Mashiach. Et le monde n'écoute pas. Alors, ça pose en fait un problème très très grave. Très très grave. Donc, bien sûr, nous sommes dans la fin des temps. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas écouter n'importe quoi et n'importe qui. D'abord, un bon conseil. N'écoutez que ceux, que les enseignements de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua, son fils bien-aimé. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on n'écoute pas les enseignements de la Torah, cela veut dire très clairement qu'on est dans l'iniquité. Je ne vais pas faire un enseignement sur cet aspect-là aujourd'hui. Ce serait en fait trop long et ce n'est pas l'objet en fait ici de cette introduction. Mais dès que j'aurai fini Jérémie, je vous promets, je ferai une vidéo spécialement sur l'iniquité et les conséquences de l'iniquité. En résumé, l'iniquité, c'est aussi en fait quelque part la transgression des enseignements de la Torah. Or, quand on est dans l'iniquité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est sujet à des mauvaises interprétations. On est sujet, en fait, à l'influence de mauvais esprits qui, effectivement, nous poussent à dire ou à faire ceci ou à faire cela et, effectivement, à prendre une position qui est contraire, effectivement, à Dieu. L'iniquité, quand elle persévère, eh bien, elle conduit à l'injustice. L'injustice devant Dieu. Et ça, c'est effectivement extrêmement grave. On verra, en fin de compte, tous ces mots-là, bien évidemment, dans le détail, car c'est extrêmement important. Voyons le calendrier, si vous le voulez. Remettons d'abord ces instants, en fait, devant l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton fils bien-aimé. Aide-nous à te faire plaisir. Tu nous as rachetés dans ta bonté, oui, au travers du sang précieux de l'agneau, il y a 2000 ans déjà. Étends ta main bienfaisante. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, afin que tu nous touches, les uns et les autres, à droite et à gauche, Seigneur, que tu nous touches, que tu nous façonnes, que tu nous instruises à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous soyons bien ancrés, Seigneur, sur ta parole, sur en fait les racines hébraïques de la foi, à la gloire de ton Saint-Nom, en résumé sur la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car c'est toi que nous voulons servir dans les temps qui viennent, à être les témoins que toi tu veux, là où tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est donc extrêmement important. Nous avons besoin d'apprendre, tous d'apprendre. Ok. Bien, allons voir effectivement donc dans le calendrier où nous en sommes. Ok, donc je vous présente en fait ici le septième mois, puisque nous avons passé le septième mois, puisque nous sommes à la 52e paracha. L'introduction de la 52e paracha, comme vous le voyez en fait à l'écran ici, c'est le premier Shabbat, effectivement, du septième mois. Cela veut dire que nous sommes juste après la fête des trompettes, qui a eu lieu, effectivement, fête des trompettes, Yom Teruah, qui a eu lieu, en fait, ici, je vous le rappelle, qui a eu lieu le premier jour, en fait, ici, du septième mois. C'est Yom Teruah, la fête des trompettes, c'est un jour férié.
Très important. Donc là, on sonne du chauffard. Oui, bien sûr, on commence à sonner du chauffard et on peut sonner le chauffard et tout au moins appeler à la repentance tous les hommes et toutes les femmes qui ne sont pas sur la Torah, sur les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est très important. Comme vous le voyez en fait ici, sur le calendrier, vous avez en fin de compte ici 10 jours. Et puis, alors, je sélectionne. Voilà, vous avez 10 jours du 1er au 10, en fait, ici. C'est une période où on appelle à la repentance, où le Seigneur appelle à la repentance son peuple. Okay? Les 10 premiers jours. Ces 10 jours se terminent par la fête de Yom Kippour, en fait, ici, que vous voyez, qui est la fête des expiations, qui célèbre, en fait, le sang de l'agneau, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie des péchés, des transgressions et des iniquités. D'accord? Afin justement que revêtus effectivement du sang de l'agneau, eh bien nous puissions célébrer les fêtes de l'Éternel qui vont arriver, et notamment Soukhot, la fête des tabernacles. C'est donc extrêmement important. Ces fêtes ici sont effectivement en fait très importantes parce qu'elles nous appellent. En fait, ici, à la repentance, à servir l'Éternel, elle nous parle de la fin des temps. Oui, bien sûr. Fin des temps où nous sommes. Oui, bien sûr. En fait, ici, où nous devons effectivement nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes bien sur les bonnes racines, okay, sur les racines hébraïques de la foi, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Dans, en fait, ici, ce Shabbat ici que nous allons voir, ici, ok, nous avons en fait le chapitre, en fait, ici, 50, pardon, de Jérémie. Nous allons voir le chapitre, pardon, le chapitre 4 de Jérémie, en fait, ici. Donc, c'est très important car il nous appelle à la repentance et il explique aussi ce que, en fait, ce qui va arriver dans les temps qui viennent. Regardons effectivement notre chapitre. 50, notre chapitre 4 de Jérémie. Je vous rappelle, il me reste le chapitre 4, le chapitre 5 et le chapitre 6 à faire, et nous aurons ainsi fait les enseignements sur tous les chapitres de Jérémie en rapport avec les parachutes. C'est extrêmement important. Le chapitre 4 de Jérémie nous parle de repentance. Nous parle de repentance et nous parle justement, en fin de compte, ici, de ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, et effectivement qui vont être sanctionnés aussi quelque part par tout un certain nombre de fléaux, dans le but, je dis bien, dans le but, en fait, qu'ils se posent les bonnes questions et puissent se repentir. L'Éternel Dieu ne répand jamais des fléaux si, effectivement, ce n'est pas pour, effectivement, appeler à la repentance. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Écoutons ce chapitre 4. Et on va le commenter. Il est extrêmement, extrêmement important, effectivement. Donc chapitre 4, 5 et 6. Aujourd'hui, nous voyons le chapitre 4. Israël, si tu reviens à moi, déclaration de l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Errant à droite, errant à gauche, c'est-à-dire que ton esprit va comprendre un certain nombre de choses. En fait, ici, ton cerveau, okay, va comprendre un certain nombre de choses parce que Dieu va t'éclairer. C'est donc extrêmement important, et ce n'est pas parce que je suis avec Christ Yeshua que je n'ai pas besoin d'être éclairé, oui bien sûr, sur le chemin, sur la route en fait à prendre, c'est extrêmement important. Encore faut-il écouter et obéir, bien sûr, se soumettre à la parole de Dieu, c'est très important. Sinon, on est errant. On est errant et à ce moment-là, on peut être assujetti à n'importe quelle, en fait ici, affabulation ou n'importe quelle doctrine erronée si je suis errant. Il faut que je sois bien accroché sur les racines hébraïques de la foi, que je sois bien accroché sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Si je suis bien accroché sur les racines hébraïques de la foi, et sur les racines de la Torah, des prophètes et des psaumes, mon frère, ma sœur, tu n'as rien à craindre, tu ne peux pas être déraciné, tu ne peux pas être emmené, okay? C'est impossible.
C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, cette dimension-là, bien évidemment. Quand je dis, en fait, la Torah, c'est bien les enseignements de la Torah à la lumière de Yeshua, oui, bien sûr, avec grâce et vérité. Regardons, en fait, ensuite, je relis le passage. Israël, si tu reviens à moi, déclaration de l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, okay, tu ne seras plus errant. Si tu jures, verset 2 en fait et 3, regardez ici. Si tu jures, l'Éternel est celui qui donne la vie. Oui, c'est pas le Dieu vivant simplement, ok? C'est le Dieu qui donne la vie. Quand on dit vivant, c'est celui qui donne la vie, bien évidemment. Il est la source de la vie. C'est celui qui donne la vie selon la vérité, selon un jugement juste, en fait ici, très important, et selon la justice par la foi. Alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Ainsi, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Yerushalayim, creusez-vous des sillons et ne semez pas parmi les épines. Donc, ne semez pas n'importe où, oui, bien sûr, parce que ça va avoir du mal, en fait, à pousser. Les épines, ce sont des mauvaises herbes, et effectivement, ça étouffe, bien sûr. Donc, on ne peut pas semer sur un terrain qui est corrompu, en fait, aussi, quelque part. Donc voilà pourquoi il faut bien faire attention à ce qu'on fait, oui bien sûr. Verset 2, si tu jures, l'Éternel est celui qui donne la vie selon la vérité. Vérité, c'est émettre, pas problème, on est bien d'accord en fait avec ce mot-là. Émettre, c'est le mot vérité. Selon un jugement juste, ok. Dans nos traductions second, c'est marqué effectivement selon la droiture, mais c'est pas bon. Il faut garder le mot jugement juste. Pourquoi? Parce que le mot utilisé, c'est mishpat. Je vous le montre, en fait, ici. Mishpat, je vous le sélectionne, je vous l'agrandis, en fait, même, est extrêmement important. Mishpat, mishpatim, c'est un mot qui existe 421 fois dans 406 versets. Mishpat au singulier, mishpatim au pluriel. Okay? Ce mot veut dire jugement, parfois traduit par ordonnance aussi. Mais je préfère, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que l'on parle là de jugement. L'Éternel Dieu nous donne des jugements. Okay? Non seulement il nous donne des jugements pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, mais il veut que l'on apprenne à juger selon ses jugements. Voilà pourquoi c'est pas bon de traduire ce mot-là par en fait n'importe quel autre terme, comme justice, parce qu'il y a un autre mot, c'est effectivement tzedek, ou précepte, ou règle, ou commandement, parce que ça finit par en fait ici nous embrouiller en fait la tête. Alors, Mishpat, ça nous parle toujours du jugement. Du jugement et notamment du jugement juste que Dieu a, bien sûr, qu'il veut nous enseigner, afin que dans notre vie, nous puissions agir selon un jugement juste devant lui. C'est donc extrêmement important. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien voir ces versets-là, en fait aussi, de les apprendre. Et en fait ici, d'en avoir la révélation au travers de Christ Yeshua. Avec grâce et vérité, oui, bien sûr. Ok. Ici, sont des jugements qui doivent être appliqués en vue d'établir ce qui est juste. Ils, les Mishpatim, sont donnés dans la Torah, notamment comme des exemples pour apprendre à avoir des jugements justes. Ce mot a le plus souvent le sens direct et implicite d'un jugement juste et de bon ou de bon jugement qui doit être rendu. Ok. Comme dans, en fait, ici. Exode en fait 19, verset 9, pardon, psaume 19, verset 9 à 11, il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est Yirah ici, la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel, elle est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements, ici c'est bien le mot mishpat, de l'Éternel sont vrais, okay, ou sont vérité, si vous voulez. Vérité c'est même mieux, en fait ici, parce que c'est le mot emet que l'on a là. Ils sont tous justes. Tous les jugements de l'Éternel sont justes. Voilà pourquoi il veut nous apprendre, comme nous sommes ses fils, ses filles, il veut nous apprendre à avoir un jugement juste. Regardez verset 10. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Les Mishpatim, c'est-à-dire les bons jugements de Dieu, visent à nous corriger et à nous fortifier dans les voies de Dieu,
C'est pour cela qu'ils sont précieux. Alors j'agrandis en fait encore, okay, pour que vous puissiez bien voir ce passage, okay, que vous puissiez bien le comprendre et que vous puissiez tous en fait le lire. Donc psaume 19, versets 9 à 11, vous l'avez là sous les yeux. Vous pouvez donc en fait le lire, prendre en fait une photo si vous voulez ou faire une impression d'écran comme cela vous arrange. Mais c'est extrêmement important d'apprendre en fait à juger comme Dieu juge. Oui, bien sûr. Ok. C'est fondamental. C'est fondamental car c'est comme cela que l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne, veut nous façonner, veut nous former afin que nous soyons fils et filles de Ha-Elohim au travers de Yeshua qui nous a rachetés pour être un peuple pour Dieu. Ok. C'est donc extrêmement important. Je diminue en fait ça parce qu'on n'en a plus en fait besoin maintenant. On a vu effectivement la définition. Très bien. Donc, si tu jures, l'Éternel est celui qui donne la vie, selon la vérité, selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Ah, très important. Ce mot justice, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais le revoir en fait ici avec vous parce que c'est extrêmement important. C'est des mots en fait qui sont essentiels et qui ne sont pas toujours très bien traduits dans nos Bibles. Je vous agrandis en fait le mot. En fait, ici, justice par la foi. Justice par la foi, c'est tzedaka. Tzedaka, tzidot en fait au pluriel, vous avez l'expression en fait en hébreu et en phonétique. C'est un mot qui existe 150 fois dans 150 versets. Ok. Ce mot en fait, tzedaka, est toujours traduit comme en fait ici dans nos Bibles, malheureusement comme le mot tzedek. Tzedek, ça veut dire justice. On est d'accord? Il n'y a rien à dire là-dessus, okay? Et tout le monde traduit bien Tzedek par justice. Mais Tzedaka, au moment où ces traductions en fait, ont été faites, les gens ne comprenaient pas en fait, forcément bien pourquoi il y avait le mot Tzedek et pourquoi il y avait le mot Tzedaka. Tzedaka, en fait, ici, c'est extrêmement important, ce mot-là. Ce mot, en fin de compte, je vous encourage à le voir, vous l'avez en fin de compte dans nos enseignements. Il existe donc 157 fois dans 150 versets. Toujours, Tzedaka doit toujours être traduit par, en fait, ici, justice par la foi. Tzedek, c'est la justice. Tzedaka, c'est la justice par la foi, que l'on obtient par la foi. Comme Abraham, justement, a cru, en fait, ici, à l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. C'est très important. On comprend bien ce verset-là. C'est parce que je marche dans la foi de Dieu, en fait ici, la foi que Dieu, en fait ici, me donne, où j'apprends jour après jour les jugements de Dieu, etc. J'apprends à me former, à écouter et à mettre en pratique ses commandements, ses règles, ses lois, avec grâce et vérité. Là, je marche dans la tzedaka de Dieu. C'est donc très important ce mot-là. Il est fondamental. Ok, je vais en fait ici, on va continuer de lire en fait ici, ok, où les Écritures en fait nous parlent, ok, d'Abraham qui fut justifié par la foi. Exactement la première fois où le mot apparaît, c'est effectivement en fait ici, dans Genèse 15, 6, où on dit qu'Abraham fut justifié par la foi. Il est rendu juste par la foi, parce qu'il écoute et il marche par la foi. Il reste attaché à Dieu et Dieu le lave, Dieu le purifie. Dieu le sanctifie. C'est exactement la même chose quand nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua. L'Éternel Dieu nous prend par la main, nous forme, nous façonne, nous instruit jour après jour, semaine après semaine, Shabbat après Shabbat, fête de l'Éternel après fête de l'Éternel. Il nous instruit, il nous façonne et il nous rend juste. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension de justice par la foi. Tzedaka, c'est un mot qui doit toujours être traduit par justice par la foi. Voilà pourquoi, dans nos traductions, nous le traduisons toujours ainsi. On éditera prochainement, on travaille dessus à l'heure actuelle, sur l'édition en fait, de la Torah, en fait ici, c'est-à-dire les cinq premiers livres, français, hébreu, plus en fait des explications. Et là, vous le verrez bien, systématiquement, le mot Tzedaka est traduit par justice par la foi. On en a parlé dans toutes nos vidéos depuis le début, ça ne pose aucun problème. C'est extrêmement important.
Donc ici, quelques versets, en fait, ici, comme lui, au travers, en fait, ici, au travers de la parole d'Élohim, qui est le Christ, nous devons apprendre à marcher par la foi et à être justifiés par la foi. Au pluriel, les actions de justice de la foi ou les bienfaits dans Juge, en fait, 5, 10, par exemple. Souvent mal traduit, ça c'est malheureux, souvent mal traduit, ce mot-là est très très mal traduit. Quand vous consultez les traductions à droite à gauche, on ne fait pas la différence entre justice par la foi et justice tout court, entre le mot tzedek et le mot tzedaka. C'est une erreur grave. Voici quelques-uns des 150 versets que nous avons traduits, ou nous avons traduit tzedaka par justice par la foi et non justice tout court. Genèse 15,6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Il a été justifié par la foi. Oui, bien sûr. Donc, là, on a bien le mot tzedaka qui apparaît. Okay? Numéro Strong 06-666. Genèse, en fait, ici, on continue. Okay? Genèse 18,6. Car je l'ai choisi, il a choisi Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, c'est-à-dire tzedaka, et non la droiture. Donc dans nos Bibles, c'est très mal traduit, effectivement. Voilà pourquoi il faut revoir ces traductions, en fait, ici. Donc ici, tzedaka, c'est la justice par la foi, c'est pas la droiture, c'est la justice par la foi. Parce que je crois en l'Éternel Dieu qui me sanctifie, qui me purifie, qui me justifie par le sang de l'agneau, eh bien, je suis justifié. Okay. Donc ça, c'est très important. En pratiquant la justice par la foi, et non la droiture, et le jugement juste, mishpat, et non la justice, qui est le mot tzedek en hébreu. Donc tzedek, ça veut dire justice, on est bien d'accord. Mais mishpat, ça veut dire jugement juste. Jugement, au jugement juste. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. C'est donc extrêmement important de bien comprendre. On reviendra sur ce mot, bien évidemment, ça va de soi. C'est beaucoup trop important. Ok. Donc ici, je vois en fait ici, dans ce verset, si tu jures, l'Éternel est celui qui donne la vie, selon la vérité, selon un jugement juste, et selon la justice par la foi, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Donc ici, le verset est vraiment très très clair. Si tu marches dans en fait la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, okay, selon un jugement juste et par la foi, eh bien alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. C'est donc extrêmement important de recaler les enseignements que nous avons reçus, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas toujours très clairs. Okay, les traductions ne sont pas toujours très claires. Mais là, on est sûr d'être dans le bon chemin. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Yehuda et de Yerushalayim. Creusez-vous des sillons et ne semez pas parmi les épines. Ne semez pas n'importe où. Semez, en fin de compte, sur une terre ou sur un cœur qui peut recevoir et qui veut recevoir. Verset 4. Circoncisez, en fait, ici, circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Yehuda et habitants de Yerushalayim, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu. Ici, le mot, en fait, ici, c'est rhéma. Rhéma, en fait, ici, ça nous parle bien de fureur. N'éclate, et non pas simplement de colère. Colère, c'est le mot af. Ici, en fait, c'est le mot h. En fait, ici, H, je vous le montre, en fait, ici. OK? Voilà. Là, c'est Réma. OK? Réma, en fait, ici, ça nous parle de fureur, dans le sens d'une fureur ardente, qui consume, d'une couleur, d'une fureur. J'agrandis, en fait, encore. Comme ça, vous verrez tous bien le mot Réma. Le mot Réma, c'est un mot qui existe 124 fois dans 117 versets. Ça nous parle de fureur, dans le sens d'une fureur ardente, qui consume d'une fureur violente. C'est aussi le venin des serpents. Ce mot est souvent simplement traduit par colère ou fureur, comme dans en fait Genèse 27, 44 à 45, où Rebecca dit à
comment dire, dit à Yaakov, reste auprès de lui, auprès de Laban, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de son frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Donc le mot en fait ici, af, que vous voyez là, ça veut bien dire colère, on est bien d'accord. Ici, en fait, le mot rhéma, c'est bien en fin de compte ici traduit par fureur, c'est bon. Là, c'est bien traduit. Okay? Lévitique, en fait, ici, 26-28, je vous résisterai avec fureur, dit l'Éternel. On a bien effectivement le mot fureur ici. Et je vous châtirai cette fois plus pour vos péchés. Phinée, fils d'Éléazar, ici, okay, fils du serviteur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. Quand c'est la colère de Dieu, en fait ici, c'est déjà grave. Okay? Quand c'est en fait ici Aaron, c'est-à-dire l'ardeur consumante de la colère de Dieu, là ça devient encore plus grave. Okay? C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et alors Réma, c'est encore un degré au-dessus. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que quand il y a la fureur de l'Éternel, eh bien il n'y a plus rien en fait à faire quelque part. C'est terminé. Phinée, fils d'Éléazar, fils du serviteur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère, en fait ici, c'est plutôt dans ma jalousie, en fait ici, vous voyez, c'est pas très bien traduit ici, consumé les enfants d'Israël. Donc là, kina, on parle de jalousie. Ce mot hébreu se terminant par un aleph n'existe que dans deux versets, les deux versets suivants, en fait ici. Ok. Deux versets suivants. Ok, donc je laisse passer ces deux versets, et en fait ici on voit bien ce que c'est la fureur en fait ici. Ok, c'est donc très 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 important de bien voir en fait ces nuances ici. Donc je reviens en fin de compte à mon verset ici, et là on parle de fureur. Circoncisez-vous pour l'Éternel, c'est-à-dire mettez-vous à part. Faites attention à ce qu'il y a dans votre cœur. Ok, circoncisez vos cœurs. Ici, cœur, c'est le mot levav. Lévav, en fait, ici, que vous voyez, en fait, ici, à l'écran, je vous l'agrandis, en fait, ici. Lévav, c'est le cœur, en fin de compte, naturel. C'est le cœur que nous avons, oui, bien sûr, dans lequel il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, selon, effectivement, ce dont, en fait, aussi, nous avons, selon la manière, nous avons été éduqués, formés, façonnés. C'est le mot lévav. Mais le Seigneur veut pas qu'on reste, en fait, avec ce cœur-là. Le Seigneur veut que l'on ait un lève, L-E-V, okay. Et les verbes, elle et vav, okay. Un lève, en fait, ici, tout simplement, tout court, okay. Qui, en fait, soit formé, façonné par, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, bien évidemment. Je diminue, en fait, ici, je réduis, ici, voilà. Donc, vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Yerushalayim, tout se passe, en fait, avec le cœur. Est-ce que mon cœur, en fait, ici, va être nettoyé, instruit par la Torah? Si, en fin de compte, ici, mon cœur n'est pas instruit, en fait, ici, par la Torah, eh bien, effectivement, ça va poser, en fait, un grave problème, parce que je ne suis pas instruit. Et si je ne suis pas instruit, je suis dans l'iniquité. Et je vais tomber automatiquement dans l'iniquité. Je ne vais pas peut-être tomber dans l'iniquité. Je suis dans l'iniquité et je vais rester dans l'iniquité. Et ça ne peut que s'aggraver. Homme de Juda, je vous montrerai. Et habitants de Yerushalayim, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté morale de vos actions. Ici, en fait, ici, le mot roa, c'est pas méchanceté tout court. Je vous le montre, en fait, ici. On redescend. Ok. Le mot roa, en fait, ici. Roa. Et je vous l'agrandis. Comme ça, vous verrez, en fait, ici, mieux. Là, ça, c'est le mot roa. Roa, c'est comme Ra, presque, c'est la même racine. Donc c'est la racine du mal, de la méchanceté, en fait, ici. Okay? Mais Roa, ça vient de Ra, comme qui parle de mal et de méchanceté. Le mot Roa exprime généralement la méchanceté au sens moral et spirituel, une dégradation morale et spirituelle où se mêlent malice et perversité. Ce mot-là n'existe que 19 fois dans 19 versets. Mais c'est aussi l'expression de la laideur physique extrême, de l'apparence malade avec les vaches, tellement laides qu'elles sont décrites comme affreuses, effectivement, en fait, dans Genèse. Okay. Genèse 41-19, ou encore la très mauvaise qualité des figues qui ne peuvent être mangées
dans Jérémie, chapitre 24, versets 2, 3, 8 et 16 et 17. Voici les 19 versets où se trouve le mot roa, donc dans Genèse 41, 19, les vaches aussi affreuses, en fait, ici, ou laides, bien évidemment. Ok, Deutéronome 28, 20, là on parle de méchanceté des actions, mais c'est pas méchanceté tout court, c'est méchanceté morale et spirituelle, c'est mieux. Ok, parce que, en fait, ici, méchanceté, c'est un autre mot. 1 Samuel 17, 24, 17, 28, ok, Éliab accuse son frère David de malice, oui, etc. Vous avez les autres versets, si vous voulez faire une pause, vous les regarderez. Moi, je n'ai pas le temps de rester en fait dessus, aujourd'hui là-dessus, parce que je dois terminer ce chapitre, oui, bien sûr. Ok, très important. Ok, on revient donc en fait ici à la méchanceté morale. Méchanceté morale et spirituelle de vos actions. C'est donc extrêmement important, en fait, de comprendre ça. Verset 5, en fait, ici. Annoncez en Yehuda, publiez à Yerushalayim et dites, sonnez du chauffard dans le pays. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Sonnez du chauffard, mon frère, ma sœur. Okay? La fête des trompettes vient juste de passer, en fait, ici. Okay? Et nous sommes le Shabbat qui suit la fête des trompettes. C'est une période où on sonne du chauffard dans le but d'interpeller les hommes et les femmes. Êtes-vous bien sur les bonnes racines? Êtes-vous bien comme Dieu le veut? Dieu le veut vous a racheté, en fait, ici, par le sang précieux de l'agneau, okay? Afin de faire quoi? Afin de faire de chacun de vous un peuple pour l'Éternel, afin qu'il soit bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Toute autre interprétation qui vise en fin de compte à en fait, aller dans le sens des catholiques, ou dans le sens des protestants, ou dans le sens des évangéliques, ou n'importe quelle autre dénomination qui n'est pas fondée sur la Torah, pose problème. Elle nous entraîne dans l'erreur et elle nous empêche de recevoir la bénédiction pleine et entière de l'Éternel Dieu. Si tu écoutes et si tu mets en pratique, alors l'Éternel va te bénir et va bénir ta famille. Voilà pourquoi il est extrêmement important dans cette période de repentance d'appeler les hommes et les femmes à la repentance avant la fête de Kippour, oui bien sûr, la fête des expiations. 10 jours en fait ici, dans lequel en fait nous sommes là, afin d'appeler les hommes et les femmes à la repentance. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir sur du septentrion le malheur et un grand désastre. Élevez une bannière vers Sion, en fait ici. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir sur du septentrion, c'est-à-dire du nord, le malheur, Ra'a, et un grand désastre. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, en fait ici, on a vu que la Russie s'est élevée, oui bien sûr, contre en fait ici l'Ukraine, mais pas seulement contre l'Ukraine, contre toutes les nations occidentales aussi quelque part, okay, étant là une menace. C'est en fait ici le malheur, le début du malheur, qui se répand en fait ici sur en fait la terre, sur toutes les sociétés occidentales, par en fait ici certains fléaux qui vont se concrétiser. Je rappelle l'épée, la famine et la peste, qui vont toucher à droite et à gauche différents pays de différentes manières, oui bien sûr. Mais on est dans un processus, en fait ici, de remise en question, oui bien sûr. Le lion s'élance, hier c'était Babylone, le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays, tes villes seront ruinées, il n'y a plus d'habitants. Hier, en fait ici, Juda, n'écoutant pas, persévérant dans la désobéissance à Dieu, persévérant dans l'iniquité, les péchés et les transgressions, eh bien effectivement a été jugé et le jugement en fait est venu au travers d'une nation, et ici c'était Babylone à l'époque, en fait, afin effectivement que les jugements puissent s'accomplir et que les hommes et les femmes puissent se repentir s'ils le voulaient, en fait ici bien. Aujourd'hui, eh bien, effectivement, toute la détresse qui se répand sur le monde, on va dire la détresse angoissante, eh bien, effectivement,
se répand afin d'appeler les hommes et les femmes à la repentance, à se poser les bonnes questions. Verset 8. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Ici, en fin de compte, on ne peut pas parler de fureur, en fait, ici, carrément, parce que le mot réma qu'on a vu tout à l'heure, okay, nous parlait effectivement, en fin de compte, de fureur. Ici, réma, c'est le mot fureur. Ici, c'est un autre mot, en fait, ici, que j'ai, en fait, ici. Et ce mot, en fin de compte, là, c'est ardeur consumante, c'est raron. Raron, ok, c'est l'ardeur consumante de la colère, en fait, ici, af. Donc, c'est mieux que la colère ardente. Bon, colère ardente, ça va, c'est acceptable, en fait, quand même. Ok? Mais là, c'est l'ardeur consumante, c'est raron. Donc, c'est une ardeur qui consume, qui détruit, qui commence, en fait, à détruire, et qui, en fait, si on persévère à ne pas se repentir, à ne pas revenir vers Dieu, eh bien, on va sentir l'ardeur consumante de cette colère, ou la fureur de cette colère, si vous voulez, à la rigueur. En fait, ici. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel, le cœur du roi. Donc ici, vous voyez, c'est pas le même mot que tout à l'heure. Tout à l'heure, en fait, j'avais le mot levav. Levav, c'est le cœur naturel, c'est le cœur de l'homme. En fait, ici, tout simplement, dans lequel il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Oui, bien sûr. Ici, le cœur, en fait, c'est un cœur qui est formé, façonné. C'est le mot lev. Lev, en fin de compte, en hébreu. En fait, ici, ça, c'est toujours un cœur qui est formé, façonné. Okay. En principe, en bien, par la Torah, mais il peut être formé dans le mal, en fait, aussi. Oui, bien sûr. Mais lève, c'est le cœur formé, c'est le cœur façonné, c'est le cœur adulte, c'est le cœur spirituel, tout simplement. En fait, ici. Donc, ici, on parle du cœur de Dieu, en fait, ici. Okay. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel, le cœur du roi et le cœur des chefs, pardon. En fait, ici, c'est le cœur du roi, et le cœur des chefs seront éperdus, c'est-à-dire, en fait, c'est le cœur de ceux qui gouvernent. Eh bien, le cœur du roi et le cœur des chefs seront éperdus, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Donc, on arrive à une certaine confusion qui va arriver. Et bien sûr, nous sommes dans cette période-là où nos chefs vont plus savoir de quel saint se vouer à un moment donné ou à un autre, ils seront éperdus. Les sacrificateurs seront étonnés, c'est-à-dire les prêtres seront étonnés, et les prophètes stupéfaits, les faux prophètes seront stupéfaits. Oui, bien sûr. Stupéfaits de ce qui arrive, okay. Pourquoi? Parce que l'Éternel, en fait, ici, ne donne que la Torah, n'a qu'une seule vérité, c'est la Torah. Ou je l'accepte, ou je ne l'accepte pas. Au travers de Christ Yeshua, j'ai été racheté, afin de pouvoir l'écouter et la mettre en pratique, avec grâce et vérité. Verset 10. Je dis à Adonai Yehoui, en fait ici. Adonai éternel, en fait ici. Donc vous voyez que la vocalisation parfois peut changer, en fait ici. Donc Yéva, la vocalisation la plus courante que l'on trouve dans les textes hébreux, c'est en fait ici Yéva, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, c'est Yéva, en fait ici. Okay? Donc mais on ne prononce pas Yéva, on dit l'éternel ou Yod-Evavé, tout simplement. Okay. Mais la vocalisation peut être aussi un petit peu différente. Elle peut être en fait ici, comme on le voit ici, Yehova, en fait ici. Yehova, oui, c'est une réalité. Dans le texte hébreu, dans 44 versets, vous avez la vocalisation Yehova. C'est celui qui est le chef, en fait, tout en haut, en fait, de, comment dire, du trône. Oui, bien sûr, c'est Yehova, en fait ici. Ça, c'est le Père lui-même, si vous voulez. En fait, c'est une image, en fait, ici, c'est une symbolique. Mais on peut toujours dire Yod-Evavé. On dit toujours, du reste, Yod-Evavé, ou l'Éternel, en fait, ici, tout simplement. Okay? Okay. Et ici, vous avez une autre, okay, une autre vocalisation qui apparaît. Je vous la montre. Cette vocalisation, elle existe, en fait, ici, et oui, elle existe, en fait, ici, un peu plus de 350 fois. Sur les 5000 fois où le tétragramme, en fait, paraît. Et souvent, ça a un aspect prophétique. Souvent, c'est le cœur de Dieu, en fait, ici, très clairement, plus précisément exprimé, en fait, ici, et ça a une dimension prophétique. Ok. Souvent, très souvent, je dis, Ah, Adonai éternel.
Tu as donc trompé ce peuple, parce que tu as dit que tu allais le bénir, etc. Et Yerushalayim, en disant, vous aurez le shalom, et cependant, l'épée menace leur vie. Oui, parce que, en fin de compte, Dieu avait tout donné, bien évidemment, toutes ces bénédictions, oui, bien sûr, mais c'est à condition que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Il y a donc une condition sine qua non, c'est-à-dire impérative, c'est d'écouter et de mettre en pratique. Si tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas en pratique, alors là, il va y avoir un problème, oui, bien sûr, et tu risques de perdre toutes les promesses que l'Éternel Dieu t'a données à cause de ta résistance, à cause de ta désobéissance, à cause, en fait, ici, de ta rébellion. Verset 10. Je dis, ah, Adonai, Yehoui, Adonai éternel, tu as donc trompé ce peuple, Yerushalayim, en disant, vous aurez le shalom, et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Yerushalayim, un vent brûlant souffle des lieux élevés, okay, du désert, sur la voie de la fille de mon peuple, mais non pour vanner, ni pour nettoyer le grain. Donc le Seigneur annonce, en fait, ici, très clairement, au travers de Jérémie, au début de Jérémie, ici, en fin de compte, des calamités, des fléaux, okay? C'est-à-dire, en fin de compte, toutes sortes, en fait, ici, de, comment dire, de détresse qui vont venir, de détresse angoissante, qui vont venir au travers de, principalement, de trois fléaux, qui sont la peste, qui sont la famine et qui sont l'épée. Oui, bien sûr. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Yerushalayim, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur la voie de la fille de mon peuple, mais non pour vanner, ni pour nettoyer le grain. Donc lorsque la Russie, en fait, s'élève, c'est comme un vent brûlant, en fait, ici, qui se lève. Okay? C'est donc, en fait, ici, okay, l'occasion, effectivement, d'avoir, en fait, un vent brûlant qui souffle sur toutes les nations, notamment les nations occidentales, mais toutes les nations du monde, en fait aussi, mais sur les nations occidentales aussi, tout simplement, non pas pour, en fin de compte, ici, et non pour vanner, ni pour nettoyer, mais pour détruire. Donc c'est un vent mauvais, un vent très mauvais qui est en train de se lever si les hommes persévèrent dans la désobéissance, persévèrent dans l'insoumission. Verset 12. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai, en fait, ici, leur jugement, en fait, ici. Donc, Dieu va juger. Dieu juge chaque pays. Okay? Chacun des pays du monde vont être jugés. C'est le temps du jugement, quelque part. Donc, il y a un jugement sur la France. Il y a un jugement sur l'Allemagne. Il y a un jugement sur l'Italie. Il y a un jugement sur toutes les nations occidentales qui se ressemblent, oui, bien sûr, plus ou moins importants, mais qui se ressemblent, et ils vont subir différents fléaux de différentes manières, okay, tout simplement parce que cela fait partie du jugement de Dieu. Verset 13, qui appelle, attention, qui appelle toujours à la repentance. C'est un jugement, en fait, ici, qui vient dans le but d'appeler à la repentance. Car on peut toujours, en fait, ici, revenir vers le Dieu vivant. Oui, c'est pour cela que l'Éternel Dieu le permet et qu'il prend en fin de compte du temps, en fait, ici, du temps pour, en fait, qu'il y ait de la repentance. C'est pour ça que quand on envoie des vidéos, effectivement, sur Internet, où on dit que Yeshua revient en 2023, 23, eh bien, n'écoutez pas. N'écoutez pas ces prophéties erronées, okay? Ce sont de faux prophètes qui agissent, oui, bien sûr, dans le but de détourner les hommes et les femmes de la repentance. Dieu appelle à la repentance. Toujours. C'est donc un principe extrêmement important, car Dieu ne veut même pas la mort du méchant. C'est écrit dans Ézéchiel. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant revienne, en fait, ici, vers lui, se tourne vers lui et se repente. Verset 14. Regardez du reste ce que le Seigneur dit. Purifie ton cœur du mal, Yerushalayim, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu au-dedans de toi, c'est pas dans ton cœur, c'est au-dedans de toi, les pensées de ton injustice. Très important. Les pensées de ton injustice. Les pensées d'abord, on va les voir. Donc le mot pensée, c'est marashava. Là, vous le voyez, je vous l'agrandis. C'est en fait extrêmement important aussi ce mot-là.
Marachava au singulier, Marachavot. C'est un mot qui existe 56 fois dans 52 versets. Ça nous parle de pensée, idée dans le sens d'un projet, d'un dessin, d'une conception, d'un plan bon ou mauvais. Voyons dans la Louis II, en fait ici, comment dire, comment ce mot en fait est traduit. Dans Genèse 6,5, pensées de leur cœur, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Genèse chapitre 6, 5. Exode chapitre 31, 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, c'est-à-dire d'avoir des pensées pour travailler l'or, l'argent et les reins. 2 Samuel 14, 14. C'est une sélection, hein, je dis bien, de quelques versets. 1 Chronique, en fait ici 28, 9. Même chose. L'Éternel sonde toutes les pensées. Sonde toutes les pensées. C'est pour ça qu'on ne peut pas tricher devant Dieu. Il sait ce que nous sommes et il voit toutes nos pensées. Ésaïe 55, 8. Car mes pensées, en fait ici, ne sont pas vos pensées, en fait ici, et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Très important ce verset, en fait ici. Donc on comprend bien, en fait ici, les pensées de l'Éternel. Ésaïe 55, 9. On continue, en fait ici. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées marchent chez votre. Ok. Ici, au-dessus de vos pensées. Ok. Et regardez bien ce verset-là. Il y en a un qui est très important, peut-être un des plus importants de celui que je suis en train de vous donner. C'est Jérémie, en fait, 6, 19. Je vais même l'agrandir, en fait, encore, afin que tout le monde puisse le voir. Car il est extrêmement important et fondamental, et je veux que tout le monde en fait puisse le lire. Jérémie chapitre 6, verset 19. Écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma Torah. On ne peut pas être plus clair, en fait, ici. Jérémie 6, 19. Écoute, terre, voici. Je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma Torah. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, cela, en fait, ici, car on ne se moque pas, en fin de compte, de Dieu, évidemment. Jérémie 29, 11, en fait, ici. Ok. Car je connais les projets, donc le mot, en fait, ici, marachava, marachavot, peut être traduit par pensée ou projet. Je connais les pensées, en fait, ici, ou les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet, en fait, ici, de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, le but de Dieu, c'est bien toujours, en fin de compte, d'avoir des pensées positives, sauf si on persiste dans la désobéissance et l'insoumission à la Torah, aux enseignements de la Torah. C'est donc très, très important. Il y a des équivalents à ce mot dans les mots grecs, notamment le mot noema, etc. Mais je ne vais pas les voir, en fait, ici, maintenant, car, effectivement, ça prendrait trop de temps. Mais on aura l'occasion de les voir. C'est le mot noema, effectivement, en grec, qui est mal traduit dans nos Bibles. On est bien d'accord. Enfin, vous avez, en fait, si vous voulez faire une pause, vous pouvez, en fin de compte, ici, regarder sur l'écran ce qu'il en est, en fait, ici. Ok. J'en arrive, en fait, ici, aux pensées. Aux pensées de ton injustice. Ça, c'est important. Je vais m'arrêter un peu sur ce mot-là aussi. Les pensées de ton injustice. Au-dedans de toi, les pensées de ton injustice. Purifie ton cœur du mal, Yerushalayim, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu en au-dedans de toi les pensées de ton injustice? On va aller voir le mot injustice. Ah, celui-là, il est trop important, en fait, ici. Tous les mots sont importants. Mais il y en a certains, ce sont des mots-clés. Okay. Et Aven est un mot-clé. C'est un mot-clé. Okay. Aven, ça s'écrit Aleph Van Noun. Vav Noun. Okay. Il faut le traduire par injustice, toujours. Okay. Sinon, en fait, on est dans la confusion. Nos traductions sont en fait ici, quelque part, pas très bonnes, effectivement. Et on confond, en fin de compte, ici les mots. Le mot « aven », c'est un mot qui est très important. Ce mot,
Être aussi traduit, c'est un mot qui existe 78 fois dans 70 versets déjà. C'est un mot qui est traduit 28 fois par iniquité, okay, dans la Louis II. Comme par exemple le mot avon. Okay. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Ça se prononce presque pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. Okay. Avon, ça veut dire iniquité. Ça, on est bien d'accord. Ici, aven, on le traduit aussi, les traducteurs l'ont traduit aussi par iniquité, mais c'est une erreur grave, en fait, ici. Les autres fois, le mot est traduit par fausseté, vanité, mensonge, méchanceté, mal, détresse, malheur, iniquité, inique, idolâtrie, coupable. Tout cela, en fait, ici, sont des erreurs quelque part. En fait, ce mot exprime l'image du néant. Le mot aven, regardez bien ce que veut dire ce mot-là. Ce mot, en fait, ici, aven, exprime l'image du néant qui se joint à l'être, soit par inclinaison ou penchant mauvais, soit par une passion dévorante, soit par la mise en place de l'incertitude et du doute dans le cœur de l'homme. Dans tous les cas, okay, cela entraîne l'homme vers le néant. Donc ce mot-là est très très important, en fait ici, est très grave. Tous les versets contenant le mot aven, okay, regardez bien, en fait ici, tous les versets contenant, je l'agrandis, okay, pour que vous puissiez tous bien le voir, tous les versets contenant le mot aven montrent de façon évidente que celui qui pratique l'injustice, et voilà pourquoi le mot aven devrait être traduit par injustice tout le temps. Le mot avon, on le traduit par iniquité, et le mot aven, on doit le traduire par injustice pour bien faire la différence. De l'iniquité, Dieu nous rachète. De l'injustice, non. C'est terminé, en fait, ici. Celui qui pratique l'injustice, aven, n'a plus accès à la délivrance du Christ. Tous ces versets montrent que ceux-là ont basculé dans le monde de l'injustice ou le monde des injustes. Par contre, ceux qui sont dans l'iniquité, avon, peuvent avoir accès au salut de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. C'est donc très important de faire la distinction. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut nous apprendre à juger, en fait, ici, afin que nous ne tombions pas dans l'injustice. Si je persévère dans l'iniquité, eh bien, je vais passer à un moment donné, en fait, ici, dans l'aven, okay. Au lieu de rester dans l'iniquité, l'avon, je vais passer dans l'aven, et là, effectivement, ça devient grave. Je passe dans le monde des injustes, en fait, ici. Voilà, c'est donc très important de faire attention. Voici les 78 versets. Ok, vous les avez là. Ok. Les 78 versets où nous trouvons en fait ici le mot aven, qui devrait être traduit par injustice, comme c'est le cas dans certains versets que nous avons notés ici après, afin de mieux le distinguer du mot avon, qui veut dire lui iniquité, qui lui doit être traduit par iniquité. Je vous l'affiche en fait à l'écran. Ici, j'espère que c'est assez grand. La première fois, c'est dans Nombre 23-21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Okay? Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Ça, c'est dans la traduction seconde, en fait, ici. Le mot aven est traduit par iniquité. Ça devrait être traduit par injustice. Et le mot amal ne devrait pas être traduit par injustice. Mais il faut bien sûr en fait le traduire par une autre forme en fait ici d'injustice, d'injustice grave, criminelle ou autre en fait ici. Ok, je n'ai pas en fait le mot sous les yeux en fait ici, mais il faut revoir en fait ici ces traductions. Ou en fait injustice flagrante et criminelle, ok par exemple. Donc ici, amal, ça nous parle d'autres formes d'injustice. D'injustice criminelle et flagrante, des choses comme cela. En fait, il y a toute une variante, en fait, ici, de mots qui existent, qui sont, en fin de compte, bien sûr, dans le mauvais, en fait, ici, dans le mauvais, en fait, ici, dans la partie mauvaise, oui, bien sûr, de l'injustice. Donc, tous ces mots-là existent, ces nuances existent, en fait, en hébreu, mais dans nos traductions, elles sont malheureusement mal traduites. Ok, vous avez les autres versets, je vous les donne ici à titre indicatif, mais je ne vais pas les voir, en fait, ici, dans le détail. Je vais simplement, en fin de compte, ici, vous citer, en fait, ici, quelques versets où le mot aven est bien traduit, en fait, ici, notamment par injustice. Dans le psaume, en fait, ici, 92, 7 ou 92, 8, si les méchants croissent comme l'herbe,
Si tous ceux qui commettent l'injustice fleurissent, ok, c'est pour être anéantis à jamais. Vous le voyez en fait ici très clairement. Ceux qui commettent l'injustice, c'est pour être anéantis à jamais. Psaume 92, 8 en fait ici, ou 10 dans certains versets. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Là, c'est bien traduit. Psaume 94, 4, ok, là je n'ai pas été voir. Ok, psaume 94, 23, il fera retomber sur eux leur injustice, il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. C'est donc très important de bien comprendre en fait ici cette notion d'injustice. Ici, nous avons tous les mots dans la version seconde en fait ici, ok. Ok, la, comment dire, la 21, en fait, ici, et la NEG, hein, second, eh bien, nous avons tous les mots, tous les versets où se trouve le mot injustice. 108, verset 8, 101, verset 8, par exemple, chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice, la veine. Ok, le verset, en fait, suivant nous dit, psaume 119, verset 133. En fait, ici, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune injustice, en fait, ici, dominer sur moi, en fait, ici. Donc, très important, Proverbe 10, 23, ici, la voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui commettent l'injustice. Très important, Proverbe 21, 15, regardez, en fait, encore. Ici, c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui commettent l'injustice, la veine, en fait, ici. Okay. Donc, Ésaïe 59, verset 7, en fait, ici. Regardez, ici, leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'injustice, la veine, le ravage et la ruine sont sur leur route. On ne peut pas être plus clair, en fait, ici. Ézéchiel, chapitre 11, verset 2, en fait, ici. Et l'Éternel me dit, Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'injustice, qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ok. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, ça. Ok. Le mot aven, en fait, ici, je termine juste avec une petite remarque. Le mot aven n'est pas à confondre également avec le mot hébreu amal, okay, traduit par peine, travail, tourment, souffrance, parfois iniquité ou injustice, avec également la série de mots avel, qui existe 20 fois dans 20 versets, avla, 27 fois dans 25 versets, avlata, olot, olata, evel. Okay. Ils existent, tous ces mots-là existent 55 fois dans 51 versets, sous la référence du Strong 05. 766. Cette dernière série exprime des variantes de l'injustice qui sont tous du type injustice flagrante et criminelle ou de ce qui n'est absolument pas droit devant l'Éternel. Donc on voit ici quelque chose de très très important. On n'est plus dans l'iniquité, on est dans l'injustice. Et quand on est dans l'injustice, eh bien il faut bien comprendre que, en fait ici, la fin eh bien, n'est pas très glorieuse, effectivement, parce qu'on n'écoute pas Dieu, et en fin de compte, on ne sert absolument pas Dieu. Dans le monde où nous vivons, il y a, en fin de compte, des injustes et des justes. Voilà pourquoi il convient d'apprendre à discerner, et bien sûr, à juger de ces choses-là. Bien sûr, nous devons apprendre à juger. C'est extrêmement important. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu au-dedans de toi des pensées, les pensées de ton injustice? Donc tout ce qui fait partie de l'injustice, nous devons l'évacuer de notre vie d'une manière impérative, oui bien sûr. Car une voix qui part de Dan annonce, okay, l'injustice, elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Yerushalayim. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Yehuda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, déclaration de l'Éternel. C'est moi, c'est là le produit de tes voix,
de tes actions. En fait, ici, c'est là le produit du mal que tu as fait. Certes, cela est amer, cela pénètre jusque ton cœur, jusqu'à ton cœur. C'est donc très important. Tout cela, c'est le fruit de nos actions et de nos voix, en fait, ici. C'est donc très important de veiller, bien sûr, et d'être très attentif. Dans la période où nous sommes, okay, la période des trompettes, on nous appelle à la repentance, d'examiner nos voies afin effectivement de sanctifier nos voies à la gloire de l'Éternel. Verset 19, je termine en fait ici, je termine, enfin je termine cette partie. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son du chauffard, un cri retentissant de guerre en fait approche. Oui, bien sûr, notre pays, la France, oui, en fait ici, va vivre des fléaux, en fait ici, importants, dans le but d'amener la repentance, les uns et les autres, à la repentance, de témoigner de la vérité. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il est extrêmement important et fondamental de t'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, de faire le Shabbat, de faire les fêtes de l'Éternel avec grâce et vérité, d'apprendre et de grandir. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé, mes tentes sont ravagées tout à coup. Mes pavillons en un instant, jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son du chauffard qui nous appelle à la repentance? C'est donc bien là un temps de repentance. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés qui sont dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, ce qui est mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ici, nous avons vu, en fait, ici la première partie, il nous reste quelques versets. Quelques versets en fait à voir, très importants en fait ici. Ok, il nous reste versets 23 à 31. Toute cette partie-là en fait à voir, je vais donc en fait la lire et faire un peu de commentaires en fait dessus, mais je ne vais pas faire trop de commentaires. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vive et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Les cieux et leur lumière a disparu. La terre voit la terre comme en fait informe et vide. Tohu-bohu, en fait, en hébreu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Mon frère, ma sœur, les montagnes, c'est quoi? Et les collines, c'est quoi? C'est toutes les institutions qui existent, qui sont les unes comme des montagnes, les autres comme des collines. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Il y a donc, en fait, ici, des tremblements, en fin de compte, qui vont se faire. Et l'Éternel va agir, oui, d'une manière puissante, afin d'ébranler, en fait, ici, les montagnes, c'est-à-dire tout le catholicisme, tout le protestantisme, en fait, les églises évangéliques, etc. Toutes celles-là vont être ébranlées et vont chanceler. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Parce que l'Éternel a racheté au travers de Yeshua, afin que les hommes et les femmes puissent être sur les racines hébraïques de la foi. Toi qui écoutes, toi qui as commencé à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel, affermis-toi. Sois rassuré, l'Éternel Dieu est là et il va te fortifier. Et il va se servir de toi comme témoin de la vérité dans les temps qui viennent. Alors, fortifie-toi, sois rassuré et étends ta main bienfaisante autour de toi afin de pouvoir témoigner en fait aussi à la gloire de l'Éternel. Verset 25, je regarde et voici, il n'y a point de descendant d'Adam et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant l'ardeur consumante de sa colère, de la colère, dans l'ardeur consumante de la colère. Les traductions en fait ici, second et autre, disent la fureur de la colère. À la limite, on peut l'accepter en fait ici, mais ce n'est pas tout à fait fureur, c'est l'ardeur consumante. L'ardeur consumante, eh bien, ça consume, ça détruit. Donc l'ardeur consumante de la colère de Dieu est en route, oui, bien sûr, sur tous ceux qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique. Voilà pourquoi la seule chose pour échapper à ça, c'est d'écouter et de mettre en pratique avec grâce et vérité. Verset 27. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil. Les cieux en haut sont obscurcis, car je l'ai dit, je l'ai résolu, je m'en repens, je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas.
2000 ans que le Seigneur a envoyé Christ Yeshua comme Seigneur et Sauveur pour sauver les hommes et les femmes, afin qu'ils puissent venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes et être un peuple pour Dieu. On n'écoute pas et on ne met pas en pratique. Alors, ça pose problème. Il faut que Dieu juge et Dieu va juger. Fort heureusement, en fait, ici pour nous, qui sommes déjà, en fait, ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel, au travers de Yeshua. Verset 29. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Vous voyez donc la détresse qui va venir, en fait, ici. Dans nos pays occidentaux, eh oui, ça va être en fait assez difficile. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, en fait, ici, c'est-à-dire comme si tu te revêtais de sang. Tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Ça ne sert à rien de se faire beau. Il faut se repentir. C'est donc très important et revenir sur les racines. Verset 31, écoutez bien, très important. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris de détresse angoissante, comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Tsion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Ici donc là, en fait ici, on parle d'une détresse. D'une détresse en fait ici qui est très importante. C'est une détresse angoissante qui est en train de se répandre. Je vous montre en fait le mot, car en fait ici nous l'avons étudié. Oui, plus dans le détail. Le voici. C'est le mot de Sarah. En fait ici, vous l'avez là. Je le sélectionne. Donc le mot Tsara existe 73 fois dans 72 versets. Okay? Ça vient du mot Tsar. Tsar, ça veut dire détresse. Okay? En hébreu. Tsara, c'est un mot qui vient du mot Tsar. Tsar, ça veut dire détresse déjà. Tsara, c'est une variante de ce mot, une variante plus grave. Parfois traduit par, dans nos Bibles en français, c'est traduit en fait dans la seconde 48 fois par détresse et c'est traduit 16 fois par angoisse. En réalité, on devrait même rassembler ces deux mots. Tsar, ça veut dire détresse et tsara, ça veut dire détresse angoissante en réalité. Oui, c'est une détresse dans laquelle tu te sens mal, tu es mal à l'aise. La détresse, c'est tu la vois, en fait, mais tu n'es pas forcément en fait dedans. En fait, ici, tu n'es pas forcément impliqué. Okay. La détresse, en fait, angoissante, là, elle se répand. Elle se répand partout, en fait, ici, et elle est angoissante. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, etc. Il y a de la guerre, il y a de la famine, il y a de la peste. Donc là, on rentre dans une période de détresse angoissante, qui, en fait, devient grave, effectivement. Et qui doit en fin de compte être, comment dire, qui va se répandre dans le but, effectivement, d'appeler à la repentance les uns et les autres, afin de recaler en fait les choses. On ne se moque pas en fin de compte de Dieu. La Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142. Voilà pourquoi il est extrêmement important, lorsque je suis racheté par le sang de l'agneau, que j'écoute et que je mette en pratique, bien sûr, la parole de Dieu. Ses commandements, ses lois, etc., ses jugements, et que je marche par la foi. Le mot, en fait, ici, de Sarah, comme vous le voyez, en fait, à l'écran, ici, je vous en lis quelques versets, c'est tout. Genèse 5, 35, verset 3, nous dit, « Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à l'Éternel, à Dieu, au Dieu, qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. » Mais c'est plutôt détresse angoissante, parce que le mot tsar veut déjà dire détresse, et le mot tsara que vous voyez là à l'écran nous parle d'une détresse angoissante, et qui a été pour moi pendant le voyage que j'ai fait. Psaume, enfin, Jérémie, pardon, Genèse 42, en fait, ici, 21. 42, 21, je vous le sélectionne, donc c'est important. Ils se diront l'un à l'autre, oui. Nous avons été coupables envers notre frère et nous l'avons vu, l'angoisse
Et nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que l'affliction, en fait ici, nous arrive. Donc vous voyez ici, dans ce verset, le mot tsara est traduit par angoisse, okay, ce qui n'est pas tout à fait juste. Et il est traduit en fait ici, ce même mot est traduit par affliction à la fin de ce verset. En réalité, on parle là de détresse angoissante, tout simplement. C'est le même mot, car nous avons vu la détresse angoissante de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté, car c'est pour cela que cette détresse angoissante nous arrive. Donc ici, le terme détresse angoissante est plus approprié. Vous voyez, le mot, en fait ici, nous parle tantôt de détresse et tantôt en fait d'angoisse. En réalité, c'est mieux de réunir les deux mots, en fait, détresse angoissante, en fait ici. Là, on est vraiment dans le sens, en fait ici, du mot sara. C'est donc bien la détresse angoissante. Et là, effectivement, on va couvrir pratiquement tous les versets, en fait ici. Donc, c'est extrêmement important de bien voir cette dimension-là. Je défile, en fin de compte, à l'écran tous les versets, en fait ici. Je ne vais pas les voir, ok, parce que ce serait trop long, évidemment, ok. Mais vous les avez en fait à l'écran, vous pouvez faire une pause et effectivement donc les regarder plus en détail si vous le voulez. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait ici ces nuances. Et on continue en fait ici avec cette page-là. Ok, donc parfois le mot est traduit par détresse. Vous voyez en fait ici dans Jérémie 6, 24, le mot est traduit par seconde, par angoisse en fait ici. Et en fait ici au verset, au chapitre suivant, chapitre 14, 8 de Jérémie, par détresse. Donc en fait ici, le mot est traduit soit par angoisse, soit par détresse. C'est mieux de rassembler les deux mots et de dire, enfin de parler là, de détresse angoissante pour le mot de Sarah. Ok, on continue en fait ici, et là nous arrivons en fin de compte à la fin, en fait ici. Donc à la fin, Sophonie 1, 15, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse angoissante. Bien sûr, il faut revoir en fait ici, le mot, la traduction ici, ok. Un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Zacharie, en fait, 10, 11, ok. Il passera la mer de détresse, ok. Il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Tout cela, on est effectivement dans le mot, en fait, ici, Tsara. Je vous le rappelle en fait ici. Tsara, qui en fin de compte est traduit parfois par détresse et par angoisse. Je suggère que ce mot-là, on le traduise par détresse angoissante. Extrêmement important. Comme en fin de compte là, en fait ici. Comme on l'a mis en fait ici. Des cris de détresse angoissante. Ok. Comme dans un premier enfantement, c'est la voix de la fille de Tsion. Elle soupire, elle entend les mains, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Là, on parle d'une détresse angoissante. Le monde va être plongé dans une détresse angoissante. Sauf ceux qui sont sur les racines hébraïques de la foi, qui écoutent et qui mettent en pratique la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach. C'est donc extrêmement important. On ne se moque pas, en fin de compte, de Dieu. Donc, c'est très important de comprendre, en fait, cela. Le monde entier, je dis bien le monde entier, va être plongé, notamment nos pays, la France, l'Europe, vont être plongés dans une détresse angoissante. Dans le but, effectivement, d'appeler les hommes et les femmes à la repentance, afin qu'ils viennent sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est donc très important de bien saisir, effectivement, cela, okay, et de bien comprendre cette dimension. On rentre dans une dimension prophétique, okay, dans laquelle le Seigneur ne veut pas la mort de tous. Oui, bien sûr. Car qui écoute et qui met en pratique la Torah avec grâce et vérité? Il n'y a pas beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes, mais c'est extrêmement important de revenir à Dieu avec un esprit de repentance, de se repentir de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, et d'apprendre en fin de compte à écouter Dieu et à mettre en pratique
les enseignements de sa Torah, à la gloire de son saint nom. C'est extrêmement important. La seule manière de passer toutes les difficultés qui vont en fait venir, c'est effectivement de se poser, de se repentir. Okay? Dieu ne revient pas tout de suite, en fait, ici sur la terre. Yeshua ne revient pas tout de suite. Pas en 2023, en tout cas. C'est une certitude. Car Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Et Dieu appelle à la repentance. Appelle les hommes et femmes à se repentir. Donc, il va leur laisser un temps, justement, pour se repentir, en fait, ici, de leurs erreurs. Mais nous sommes quand même à la fin des temps. Donc ça ne va pas durer des dizaines d'années, en fait, ici. Donc il faut bien comprendre que c'est le temps de réagir, okay? De revenir à l'Éternel. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Voilà effectivement les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de Roche, pardon. La fête de Kippour, en fait, pardon. La fête, je reprends dans le début. Donc la Yom Teruah, donc c'est la fête des trompettes. La fête ici des expiations, Kippour, et la fête de Soukhot, la fête des tabernacles. Tout cela, ce sont des fêtes qui vont avoir lieu dans le but de nous appeler à la repentance et en fin de compte de revenir en fait à Dieu, à la gloire de son Saint-Nom. Voilà donc en fait ici cet enseignement en fait ici qui a lieu en réalité juste après la fête de Teruah, la fête des trompettes en réalité, le Shabbat qui suit la fête des trompettes. Remettons en fait ici tout cela au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci pour ta patience, merci pour ta longanimité. Merci Seigneur parce que tu nous appelles. Tu nous appelles à la repentance, à la gloire de ton Saint-Nom. Avant que tes grands jugements ne viennent, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau. Père très saint, étends ta main bienfaisante. Ouvre les yeux et les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions mieux voir, mieux comprendre ta parole, mieux en comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, car tu nous as sauvés, tu nous as appelés à te servir, à écouter et à mettre en pratique comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, car tu es venu nous chercher là où nous étions, car nous étions dans l'erreur. Mais toi, tu es venu nous chercher, tu nous as arrachés à toutes ces montagnes, à toutes ces collines spirituelles qui étaient dans l'erreur, pour que nous puissions te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à la gloire de ton Saint-Nom, par la puissance de ton esprit, agis. Agis, Seigneur, nous te rendons grâce, dans le précieux nom du choix. Merci pour ta parole merveilleuse. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et que l'Éternel Dieu vous garde. Alléluia. Amen.